Coucou tout le monde, nous revoilà pour une vidéo de la bande des cons sur un défi Harry Potter et terminer un jeu en allemand. Voilà sur la cinquième vidéo où on s'était quitté sur un magnifique passage dans la tour de Gryffondor où Harry disait le code. Un magnifique code dont j'ai oublié le nom vu que c'est en allemand et je comprends rien. Donc mon but n'est pas d'écouter la discussion mais de vous parler. Alors là on a un petit peu coupé les sous-titres hein, des fois hein, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos, évite de faire bouger ça. Alors des germanophones, encore moins. Alors cette vidéo va être un petit peu plus courte quoi. Que la première, que la 4 et la 3, la 2 et la 1. On va la faire de 6, 7, 8 minutes quoi. On sait pas encore trop. On sait pas quoi, on sait pas. Alors voilà, là on est censé éviter le préfet. Mais c'est tellement un con. Qui est le frère de Ron. Qui est le frère de Ron. C'est tellement simple. Mais c'est tellement simple que voilà. Voilà, on la carotte. Et oula, la qualité d'image vient de baisser, on dirait. Je sais pas. C'est bizarre, on voit plus rien là. Oula. Je vais essayer de dézoomer là pour. Oh, caméra, réveille-toi. Ah, voilà. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Alors nous voilà dans les chiottes secrètes de Ron et George, puisqu'ils aiment bien faire caca en silence. Donc, nous voilà chez eux pour acheter. Et là, c'est, franchement, c'est bien ça aussi. On peut collecter de l'argent pendant tout le jeu pour acheter. Non, pas. Si, il faut partir. Bah, rester là. Oui, reviens. Tu vas me faire le plaisir de revenir. Vu que là, je vous dis, ce n'est pas moi qui joue. C'est la. C'est voilà, il nous a repéré alors qu'on était déjà en train de. Alors c'est l'ami qui fêtait son anniversaire, qui n'est pas forcément fan de jeux vidéo. Mais alors voilà, le principe c'est de d'acheter des trucs comme là. Attends, c'est quoi le truc au milieu là? C'est un truc qui lanceur de boules puantes. Alors voilà, des ballons péteurs, des cartes. Vas-y, fais le tour un petit peu. Alors là, on peut acheter. Là, des potions, des cartes, des trucs qu'on débloquera plus tard. Voilà, des trucs pour ballons, je sais pas trop quoi. Voilà, des sacs. Bon, voilà, ça c'est bien foutu. On peut vraiment collecter de l'argent et le dépenser à notre guise. On peut aller à la toilette, un passage secret pour rentrer plus facilement. Ah, alors apparemment. Ah bon, va dans toutes les toilettes, bien au fond. Mais c'est peut-être avec Luminos, non? Ah, celui-là, il y a pas de toilette, fais Luminos. Elle lâche. Voilà. Oh, je suis trop fort, il y avait pas de toilette. Alors voilà, on a découvert un petit passage secret, quoi, là, pour rentrer plus vite dans la tour des Gryffondor, je crois. Ouais, c'est ça. Sans faire. Et franchement. Ça prend le risque de. Ouais, sans. Regarder dans le cul. Alors, franchement, c'est plutôt bien foutu d'un jeu qui est sorti en 2002. Vas-y, go. En 2002, de mettre des choses comme ça, c'est comme les bugs de Call of Duty, ou des trucs où faut vraiment monter, faut vraiment réfléchir pour le faire, ou des passages secrets comme ça, on n'aurait pas imaginé. Et là, ils l'ont fait. Alors là, je sais pas ce qu'il faut faire. Fais tes réglages. T'as mis Luminos en X. Hein. Schlafengehen, ah oui, voilà, faut aller se coucher. Voilà, et on s'arrête. Non, on va continuer un tout petit peu, vu que là, ça arrive à 4 minutes, et on va essayer de faire 7 minutes. Alors, je vous dis, ça va sûrement pas être très bavard, vu que ça va être mon ami qui va parler, vu que je vais aller faire un petit tour aux toilettes. Eh, moi, je suis bavard. T'es bavard? Tu savais pas faire quoi? Alors, il est fan de cinéma. Hein. Alors, parle-nous un petit peu de cinéma. Oh, non, de ce que tu veux, bref. Je vais vous laisser quelques minutes. Non, en fait, je rigolais pas, mais c'est juste que j'ai pas envie de vous laisser tomber. Je vous aime. Non, je vous aime pas. Si, enfin si, bref, vous m'avez compris. T'es un peu lourd, mon cher ami. Lourd n'est pas la bonne. Tête de con numéro 1. Chef de file. Là, on va aller en cours de chez je sais plus qui. Ah oui, voilà, c'est ça. Je crois. Je disais que ce jeu est un petit peu à chier. Parce que vraiment, il n'y a pas d'objectif de jeu. C'est juste vivre au jour le jour, quoi. Alors, il y a des haches partout sur le sol, comme Harry Potter.
C'est vraiment mal fait ça, mais. Alors là, on va devoir aller. On va devoir aller en cours. Je sais plus où c'est. Quand c'est en allemand, j'ai. Ça, c'est Stag. J'ai pas lu le. Alors, attends, attends. Magic and Kind. C'est pas ça? Non, je crois que c'est quand même. Ah, on va essayer, je vois cette traque là. Putain, mais c'est vraiment un chien. Non, on peut pas. Si, 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 tu peux. Bah, attends, attends. On va faire un truc intelligent qui est de comparer les noms qui a marqué. Alors, qui alors. A marqué rejoint Ron. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va aller là où il y a marqué English, je sais pas quoi, Educal. Alors, dès qu'on va marquer Educal, normalement, c'est ça. Il n'y a pas marqué Educal. Yes, on va marquer Educal. Alors, ça aussi, c'est pas mal, c'est que l'escalier magique est vraiment magique. C'est-à-dire que c'est pas ça reste normal, faut attendre des fois les trucs. En fait, je suis désolé, mais mon envie de, d'aller aux toilettes est trop récente. Vas-y, je parle avec toi. Ok. Prends soin de nos auditeurs et ne parle pas trop. Voilà. Merci, mes amis. Donc, mon copain vient de partir à l'instant au chat, comme il a dû vous le dire. Et là, j'attends sûrement les Edge Girls. Je l'espère, en tout cas. Enfin, ça pour vous dire que c'est. On s'est gouré. Je me suis gouré, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Je suis quelque peu sans tête. Ah! Voilà. Me voilà de retour. Après un bon tour au pipi room, qu'est-ce que tu fais là? C'était pas là sur boîte d'étage. Quoi? Sur boîte d'étage, je croyais que c'était une Girlball, mais en fait non, c'est la bibliothèque. Ce qui est pas vraiment ça. Alors, me revoilà. Faire pipi, franchement, ça fait vraiment du bien. Et voilà. Mon ami est très lassé de mon humour à Cablan. Très lourd. Même Dubosc qui fait pas mieux. Fait... Oh, attends, tu dis que Dubosc qui fait pas mieux. Attends, Dubosc, me compare pas à lui, s'il te plaît. C'est un gros connard, je reconnais. Attends, monte la carte. Putain, vraiment, on est des cons vu que. Il y a un troisième ami qui est vraiment. Oula, la caméra a aussi merdé. Putain. Qui est vraiment un ouf dans ce jeu. Et qui connaît tout. C'est quoi ça? C'est pas à ça qu'on doit aller? Si. Bah, c'est où? Je sais pas moi. Faut peut-être continuer à descendre. Alors, voilà. Oula. Faut que je me retrouve. Alors, Harry, il est là. Ça, c'est tous les étages. Alors là, c'est 6ème. Après, 4, 5, 4, 3. Hein? C'est même plus lequel. Oh! Putain, je comprends rien. C'est à quel étage déjà, ce truc de merde? Mais je vous dis, je comprends plus rien. Bon, en fait, on va peut-être arrêter cette vidéo là, vu qu'on va pas envie, on n'a pas envie de vous faire galérer comme ça. Alors, on va essayer de terminer sur un petit rond. Fais-nous un petit rond avec Harry Potter. Je sais pas, j'ai envie qu'il tourne en rond là, comme un con. Sort de sous de sa gueule. Voilà. Vas-y, continue. Alors voilà, terminons sur un rond, s'il te plaît, un rond. Non, tourne en rond. Voilà. J'ai envie de se quitter sur un petit rond comme ça, autour d'un joli petit blackos. J'adore les blacks, hein. Y a rien de raciste dans ces paroles. Un petit bambou là. Ceux qui ont un copain va partir qui était black. Ouais. Un petit bambou là quoi. Et voilà. On va vous laisser là. On va vous laisser là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors voilà. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode 6 où il y aura peut-être une petite vidéo détente en attendant sur par exemple Need for Speed Carbon quoi. Bon, on verra. Bon, moi je vous dis ciao à tous, bye et gros bisous sur le front. Au revoir. Bye. Bye.